Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Mes Secrets de Nana, je suis Razika, c'est parti pour une petite dernière vidéo de la journée à action de Cervon. Un petit tour dans les paniers avec ces petits paniers avec le tissu crème en lin. 2,59€, donc ils existent en crème, couleur crème, et ils existent aussi avec le tissu noir. 2,59€. Pour les petites panières comme ça, 2,25€ avec le bord en saule, donc métal noir ou blanc, 2,25€. Alors franchement, ce genre de petit panier, je vous parle souvent des panières cadeaux, que ce soit pour un anniversaire, juste pour offrir ou les fêtes de fin d'année. Ce genre de panier, je pense qu'elle est, je pense que ce genre de panière est vraiment très bien pour faire un petit cadeau. Donc ce qui est idéal, ça serait de poser au fond une sorte de papier fin qu'on peut trouver au rayon loisirs créatifs. Ou bien vous posez rien, vous pouvez mettre comment ça s'appelle, je sais plus, un peu sorte de paille un petit peu au fond, je sais plus comment ça s'appelle. Alors des fois pareil, on a au rayon loisirs créatifs ou dans les fleurs artificielles. Et puis vous emballez tout ça dans le fameux papier transparent ou dans du papier, ça peut être sympa aussi d'emballer ce qu'il y a à l'intérieur dans du papier craft. 2,25€. Mais vraiment, si vous tombez sur ce genre de panier, que ce soit ici ou pas, même si c'est pour les fêtes de fin d'année, pensez à en prendre, parce que quand on arrive vers les fêtes de fin d'année, en général, les panières, on a du mal à en trouver. Tiens, ils nous ont mis les coussins de sol rituel à 6,49€. Ils font 38 cm par 8 cm de hauteur. Alors c'est vrai qu'il va y en avoir des plus clairs que d'autres, à vous de trouver votre couleur. C'est vraiment sympa ça au sol. Les boutons de porte en céramique. Alors parfois, il y a encore un carton en dessous et un autre, donc n'hésitez pas à les tirer pour voir en dessous s'il y a encore vos boutons ou pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de boutons on me demande souvent. Donc on peut refaire les boutons de ces commodes, vous avez une commode, un chiffonnier, etc. Tout de suite, ça donne un autre style, ça donne un petit coup de peps, on va dire, au meuble. Ça peut être un meuble à chaussures, ça peut être plein de choses. Un meuble de salle de bain par exemple. Ils sont à 86 centimes. Moi j'en ai vu hein, dans d'autres enseignes ce genre de bouton. C'est au moins 2-3 fois le prix parfois. Et alors il y en a souvent qui me disent il y en a sur internet. Attention, sur internet c'est les tailles. Des fois on voit et tout, pensez à regarder les tailles. Ceux-là ils font 4 fois 6 cm. Je profite de la vidéo pour répondre à un commentaire. Alors j'avais déjà répondu, il me semble, mais pour être sûr, je préférais être devant les assiettes. Donc c'est les fameuses assiettes magnifiques. J'en profite pour rappeler le prix. Hein. La grande est à 3,29€. La petite à 2,69€. Elle fait 21 cm. L'assiette à dessert, 99 centimes. Et justement, dans ma vidéo précédente, je vous parlais du fameux saladier. C'est le petit saladier. À 2,29€, il fait 15,5 cm. Et les mugs à 99 centimes, mais c'était pas ce que je voulais donner comme info. L'une de vous m'a demandé si ça passait au micro-ondes et au lave-vaisselle. Alors effectivement, ça passe au micro-ondes, au lave-vaisselle, mais par contre ça ne passe pas au four. Alors voilà, moi j'aime bien quand je trouve vos compositions dans les rayons. Quelqu'un, mais vous voyez, c'est, j'aurais jamais pensé, c'est vraiment sympa. Hop, après là, je sais pas s'il faut laisser comme ça ou on peut mettre quelque chose, peut-être une petite statue, non rien, non comme ça c'est sympa. Après à voir. Allez, on va faire un petit tour dans les plateaux à poignées. 1,28€. Je voulais juste voir un petit peu les différents motifs qu'il y avait. Alors ceux-là parfois existent en très grand. Alors ceux-là c'était le motif. Et voilà. 1,28€. Ils font 38 cm sur 23,5. Aujourd'hui, je vous ai beaucoup parlé de gourdes. Alors, à savoir que quand je vous fais plusieurs vidéos dans la journée,
Alors je fais de temps en temps des vidéos à thème, mais là aujourd'hui ça n'a pas été le cas. Je suis venue ce matin ici, après j'étais à Brie et puis là de nouveau à Cervon. J'évite vraiment de vous montrer les mêmes produits, sauf si c'est un produit vraiment phare, etc. Je vais peut-être vous le remontrer une deuxième fois dans la journée, mais vraiment j'évite. Alors même si je vous présente des produits que je vous ai déjà présentés les autres jours, mais dans la même journée, vraiment j'évite de vous présenter les mêmes produits. Donc je vous ai présenté deux sortes de gourdes aujourd'hui et la troisième c'est ça. Enfin, plutôt bouteille à eau, on va dire ça comme ça. 1,28€, elles sont en verre et avec le bouchon qui se visse. Moi, j'aime beaucoup ce que je vous disais dans mes deux vidéos précédentes. J'aime bien quand les bouchons se vissent, comme ça on peut mettre la glisser dans son sac et ça risque pas de couler, à condition d'avoir bien fermé, évidemment, la bouteille. Alors attention, parce que dans beaucoup de bouteilles, vous voyez, il vient de tomber. Il y a un joint comme ça. J'ai une petite histoire. J'avais acheté des sortes de gourdes comme ça. Alors, je me souviens pas si il n'y en a plus en rayon. Et en fait, j'avais pas fait attention la première fois que j'ai ouvert. J'ai dû faire tomber le joint. Et puis, j'ai refermé ma bouteille. Et après, bah, j'ai eu de l'eau un petit peu partout. Donc, faites bien attention de ne pas perdre ce joint qui est en général au fond des bouchons. Voilà, 1,28€. Donc, il y a plusieurs couleurs. Elles font 450 ml. Et maximum 40 degrés. Ah tiens, ils ont aussi encore d'autres gourdes. Alors ce matin, je vous ai montré celle-là, c'est pas les mêmes. Hein. Voilà, donc celles-ci viennent sûrement de les mettre, 1,99€, avec le bouchon clic, et comme ça. Alors c'est vrai qu'elles ressemblent beaucoup aux bouteilles qu'il y a dans le rayon sport. 1,99€, on peut mettre 650 ml pour garder les boissons au frais. Donc il y a bleu, rose, gris et vert. Les brefs blocs cuvette, 2,39€. Il y en a 3. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui sent, mais de là, je sens une petite odeur et ça sent plutôt bon. Alors, celle-ci, c'est citron et menthe du Brésil. Et il y a lavande aussi. Donc, il y a un côté nettoyant, un côté désodorisant. Donc, je crois que vous allez tirer la chasse. Il va y avoir du produit qui va couler. Alors, ceux-là, je ne les avais jamais vus. C'est pas nouveau du tout, mais en tout cas, c'est un retour. C'est les fameux blocs qu'on peut mettre dans les réservoirs. Alors, attention, il me semble qu'on peut pas mettre dans tous les réservoirs. Il faut avoir un réservoir d'eau donc qu'on peut facilement ouvrir, je suppose. Et en fait, quand vous tirez la chasse d'eau, tout simplement, l'eau est bleue. Et il y a une mousse. Ah, bah, je savais même pas, voyez. Mousse de nettoyage et parfum frais. Alors, moi, je pensais que c'était juste esthétique. Et ben non. Il y a une mousse de nettoyage, ça nettoie et ça parfume en même temps. 1,99€. Décosphère Magnolia, 2,59€. Donc, c'est les petits sambons pour mettre dans les toilettes. Puis on a ce gel désodorisant, feuille de rose et baie sauvage, 79 centimes. Alors, je vois très très souvent des personnes repartir avec ce gel fraîche diffuseur de parfum. Je ne les ai pas encore testés. Alors, il me semble qu'il y en a un qui sent mieux que l'autre. Donc je me dis, s'il a autant de succès, c'est que forcément il fonctionne bien. Alors pour tout ce qui est toilettes, alors moi ce que je fais, c'est que je mets, vous savez, des petits sachets de tulle avec les bides assouplissants. Je trouve que ça sent très bon. Après il y a ça. Voilà, je trouve que c'est un produit aussi qui reste longtemps dans les toilettes. Ça c'est 1,99€. Il y a lavande, camomille et fresh water. Alors j'avais acheté un comme ça aussi. À l'époque, à la rose, et il sentait super bon. Enfin, il a parfumé toute la pièce, mais un peu trop fort. Donc, j'ai dû remettre un moment un petit bout de papier parce que ça sentait beaucoup trop fort. Ça, c'est 94 centimes, donc c'est pour les toilettes. Cocktail d'agrumes. Alors, ça dure 8 semaines. C'est marqué dessus. Ça dure 30 jours. Et tiens, celui-là, on l'a aussi de cette marque-là. 95 centimes, fleur de cerisier. Alors, je vous parlais de mes panières cadeaux tout à l'heure et tout. Je vous parlais de papier à froisser. Alors, j'ai pas trouvé le papier dont je voulais vous parler, mais vous pouvez mettre du papier crépon comme ça. Il y a de ces couleurs-là ou couleurs pastel. Vous pouvez décider de prendre une couleur et puis après d'agrémenter autour. Après, comme tout à l'heure, on a vu du noir et des blancs. Ça peut être sympa. 1,09€. Ça, c'est un kit de bricolage en feutrine de 99 centimes. Donc voilà, ça peut être sympa, tiens, le papier crépon. Si vous trouvez pas le papier dont je vous parle, c'est une autre idée encore. Alors ça y est, elle va nous pondre plein d'idées, Razika.
On peut mettre aussi un carré de tissu, vous voyez, au milieu du panier, mais en faisant en sorte que les coins soient au milieu, entre chaque coin du panier. Oh là là, j'ai une berne avec mes explications. Et puis ça peut être sympa, je ne sais pas, pour regarder la taille. Vous voyez, par exemple, celui-là est sympa, enfin, il y a plein de couleurs sympas. Il fait, alors, faut voir la taille, ils font 70 par un mètre. Vous voyez, ça peut être une idée. Et après, on a plein de rubans pour accessoiriser. Ah, il y a plein de tissus sympas. Hein. Oh, tiens, le retour de cette étagère rangement acier. Alors, pour être franche avec vous, je l'ai vu ce matin. Enfin, oui, je suis venue plutôt en fin de jour, enfin, fin de matinée. Et du coin de l'œil, je pensais que c'était, vous savez, les nouvelles étagères là en métal et bois. Pas du tout. Donc, c'est un rangement, une étagère en acier mat noir avec les planches en bois. Elle est à 24,95. Elle fait 1,80 m de hauteur, 80 par 40 de profondeur. Donc, on peut la mettre en hauteur, mais on peut les mettre comme ça aussi, à ce niveau, enfin, de. À ce niveau-là, j'allais dire. Donc, et du coup, ça ferait 1,60 m sur 91 cm. 24,95 €. Moi, ce que j'aime bien dans ce modèle, c'est le noir. Parce qu'en général, des étagères comme ça, c'est vrai qu'on peut en voir dans les magasins de bricolage ou dans les grandes enseignes. Mais en noir, comme ça, elle est pas mal. Tiens, le retour de ces tabourets en velours, avec la scie en velours. Et les pieds en bois, 11,95 €. Donc on a du noir et du gris. Alors la dernière fois qu'on les avait eus, quand ils étaient chez Action, on avait eu aussi du rose. Enfin, je ne sais pas si le rose est parti ou bien cette fois-ci on ne va pas l'avoir. Ils sont à 11,95 €. Oh, une autre nouveauté côté Noël. Les petits emporte-pièces spéciales Noël. Il y en a 5 à 99 centimes. La tête du Père Noël, le sapin. Bonhomme de neige, Monsieur Biscuit et le sucre d'orge. Bon, en général, je finis par les gourmandises, mais voilà, c'était à côté. Je pense qu'on connaît tous cette fameuse boîte à gâteaux aux biscuits au beurre. D'ailleurs, des biscuits très très bons, très fondants. 2,69 €, mais aussi on connaît cette boîte pour l'avoir utilisée. Pour diverses choses, pour ranger ses accessoires de couture, pour ranger des cartes, pour ranger les câbles du téléphone. Donc on va voir cette année ce qu'on a comme couleur. Donc on a celle-ci, on a la dorée. Et puis je vois qu'on en a une rouge. Et on en a une rouge, elle est très jolie la rouge d'ailleurs. Sont très très bons ces gâteaux. Alors parfois certains sont un petit peu sucrés, mais ils fondent très bien, surtout quand on les trempe dans du thé ou dans du café. Bon, je crois que j'ai faim. Regardez, parce que c'est halal. Oh, des sucettes au chocolat, mais regardez, avec des petits dessins. Vous savez, on a les mêmes rayons chocolat, donc en fait c'est pour mettre, vous mettez ça dans du lait et ça devient un chocolat au lait. Et en fait, on peut aussi faire des petites décos comme ça. Vraiment, vraiment c'est sympa. 99 centimes. On voit qu'il y a deux modèles. Il y a celui-là et celui-là. Et en fait, c'est du chocolat au lait. Ah, je crois qu'il y a plusieurs modèles. Donc celui-là, j'ai l'impression que c'est... Non, c'est du chocolat au lait. Donc il y a différents chocolats. Il y a du chocolat blanc aussi. Vous voyez, comme quoi, je ne vois pas tout non plus. Donc en retournant de l'autre côté, j'ai vu ça. Ils ont remis... cette brosse nettoyante. Donc en fait, il y a deux têtes de brosse. Il y a celle-ci et celle-ci à 6,95 €. Alors moi, j'ai déjà testé. Je crois que j'ai acheté il y a 2 ans environ. Et en fait, c'est super pour nettoyer, voilà, entre les carrelages, pour nettoyer certaines tâches. Alors, ils nettoient même leurs jantes. 6,95 €. Donc en fait, ça marche à pile. Et du coup, la brosse, ça va faire des petites rotations. Mais c'est vraiment pas mal. 6,95 €. Je sais que celles qui sont Action Addict depuis quelques années, ça va leur parler, ça. Et voyez, en revenant sur mes pas encore, je crois qu'il y a ça qui est nouveau. Donc, c'est un bac à, j'ai dit à courrier, à couvert. Donc, il y a deux couleurs, blanc et gris. Donc, c'est 79 centimes. Donc, vous voyez, pareil, j'en cherchais un il y a quelques mois. J'en cherchais un tout simple. Parce que j'avais un petit tiroir et donc je voulais mettre quelque chose de vraiment simple.
j'avais pas trouvé. Et là, c'est nouveau chez Action. Donc, avant, on avait celui-là, qui est d'ailleurs super pratique. Celui-là, il est à 5,95€, mais il est extensible. Et on peut mettre vraiment, vraiment pas mal de couvercles. Et donc, celui-là, voilà, je voulais vous donner la taille. Je vois pas la taille ni là sur ni sur l'étiquette, mais je pense que je prendrai un peu plus de temps la prochaine fois. J'irai le mesurer. En tout cas, si vous en cherchez un petit comme ça, c'est il y en a ici. Donc soit c'est pour mettre dans le laisser dans le tiroir, soit vous pouvez mettre vos couverts et au moment de passer à table poser pour faire votre table. Tiens, il me semble que c'est nouveau ça. Famen 48 heures spray, donc pour homme 1,28€. Dark Passion Amazon Spirit, Amazonia Spirit et Kickoff, 1,29€. Bon, ça, on a vu ça ensemble dimanche. J'ai découvert ça à Action de Thiers. Donc, c'est un petit set de manicure. Alors, normalement, il existe et il est au fond en rose. Et je sais qu'il existe en rose parce que j'en ai acheté un petit kit. Hop, il est là en rose. Et donc, quand j'avais regardé, je ne savais pas quoi il servait celui-là. Mais en fait, c'est un coupe-ongles. Vous voyez, il est un petit peu en biais. Donc, plutôt pour les pieds. Coupe-ongles standard, ciseaux. Repousse cuticule, pince épilée et lime, 1,59€. Alors j'ai fini par me prendre un petit kit comme ça parce que dans ma boîte à gants, j'aime bien quand j'ai un coupe-ongle parce que bah, parfois j'ai un ongle qui casse, etc. Donc pour pouvoir le couper sans avoir à rentrer chez moi. Petite pince épilée, alors tout ce qui est sac à main, moi j'ai banni depuis un petit moment. Quand vous me rencontrez, vous devez me reconnaître comme ça aussi, j'ai un sac à dos. Donc du coup, petit sac à dos, je ne peux pas tout mettre, donc je laisse plutôt dans ma boîte à gants. Alors ma boîte à gants est petite, parce qu'on m'a déjà posé la question, donc j'essaie d'en mettre le moins possible, mais que des choses utiles. 1,59€. Tiens, le retour de cet épilateur pour femmes. Alors j'avais dit que j'arrêtais de dire tiens, mais bon, c'est pas grave. 9,95€, donc épilateur rechargeable. Alors, je vous avais fait une vidéo spéciale Halloween, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas tout. Alors, je me demande si je ne vais pas vous en refaire une autre sur la même thématique. Mais là, je vois un truc rigolo, c'est un porte-manteau. 99 centimes sur le thème Halloween. Donc, en fait, il se colle. Donc, on a la citrouille, on a la tête de mort, le fantôme. Et donc c'est LED, donc, je ne sais pas comment l'allumer, mais donc ça s'allume. On a aussi des ballons. 86 centimes, donc je ne sais pas si on a qu'un ou pas. Donc un ballon d'aluminium, donc en forme d'araignée ou de chauve-souris. Alors la chauve-souris fait 55 par 93 et l'araignée fait 78 par 50. Alors je vous avais déjà montré les figurines Marvel. Mais je vois qu'il y a Hulk Buster. Et celle-là aussi, je n'avais pas vu la dernière fois, Thanos. Donc après, on a les standards. Les anciens héros. Iron Man, je vois qu'il y a Hulk. Donc 4,99€, la figurine, donc Captain America. Allez, c'est la fin de la vidéo. Alors je me disais, oh, j'espère qu'on va avoir quelque chose de nouveau côté gâteau ou bonbons ou chocolat. Et j'ai vu ça. C'est des gâteaux sponge cake, donc en fait c'est une sorte de génois je crois avec une crème à l'intérieur. C'est 99 centimes, il y en a 5. Alors c'est le gâteau, je vais être honnête avec vous, c'est pas le truc qui m'attire, que je vais goûter, mais je vais goûter quand même parce que très très souvent justement quand j'ai pas osé goûter parce que bah voilà l'emballage ou la photo me convenait pas, bah c'est là que je trouve ça bon, donc je pense qu'on va goûter ça. 99 centimes, il me semble que on l'avait déjà eu en rayon. Je reviens juste sur un article que j'avais découvert à Action de, il y en a deux, à Action de Brique contre Auberge, je vous avais pas donné le prix, c'est ça la guirlande lumineuse sur pile à 2,89€. Donc j'avais découvert qu'il y avait deux couleurs à côté, mais là je vois que celle-ci, enfin si rouge et orange, en fait c'est une corde comme ça qu'on se met autour de soi pour illuminer. Je le rappelle, par contre, c'est pas un jouet, hein. C'est vraiment pour les adultes. Et là, c'est la fin, mais je reviens sur ça parce que je ne les ai jamais retrouvés. C'est les canons à confettis pour les baby showers. Donc, c'est pour faire deviner, enfin, pour annoncer le sexe de son bébé à ses invités. Donc, il y en a un où il y a écrit girl, donc dedans, les confettis sont roses. Et boy, les confettis sont bleus.
puisque maintenant on fait des fêtes spéciales pour annoncer le sexe de son bébé, c'est très tendance. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, si vous regardez ma vidéo le soir, et puis je vous dis à demain.